Les abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour un giga cache-cache dans la villa en Crète. Je suis accompagné de Awariz, Twinner, Talcado et Souka. Let's go, il est juste ici. Et ouais, on est là. Salut. C'est parti, on cache-cache aujourd'hui. Le but il est très très simple, je vais compter pendant 120 secondes, exactement 2 minutes. Et je dois tous les retrouver, let's go, on va bientôt commencer. Mais attention, il y a une petite règle surprise. Oh, c'est quoi cette règle? À tout moment, ce n'est plus moi qui cherche, mais Huggy Wuggy. Oh non, 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 non. Mais non, je voulais pas. Lorsque Huggy Wuggy apparaîtra en haut à droite de l'écran, ça voudra dire que ce n'est plus moi qui cherche, mais Huggy Wuggy. Et le truc, c'est qu'ils ne seront absolument pas au courant. Non, 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 arrête. Je serai l'unique personne au courant et du coup, à ce moment-là, j'irai me cacher avec eux. Si jamais vous me voyez aller me cacher avec vous, c'est que Huggy Wuggy est en train de chercher. Oh, mais il peut nous tuer du coup. Pas Huggy Wuggy. Il peut crier avant de nous tuer. Quoi? Mais mec, tu peux pas nous faire ça. Imagine qu'il nous mange. Mais mec, c'est comme ça. C'est Huggy Wuggy. Moi, je suis complètement fan. J'ai très très hâte de commencer. Non. C'est parti alors. Let's go. C'est parti. Let's go. Tout le monde va se cacher. Ok. Et moi, je compte 120 secondes. Vous aurez évidemment tous leurs points de vue. Donc c'est parti. Let's go. Awariz, est-ce que tu sais où est-ce que tu vas te cacher? Non, pas encore, mais on va trouver. Hein. Mais je suis équipé. Let's go. La petite GoPro. Talcado, est-ce que tu sais où tu vas te coucher? Dehors, pas à l'intérieur. Te coucher. Talcado. C'est se cacher plutôt. Dehors, pas à l'intérieur déjà. Ok, ça marche. Dehors, c'est parti. Touka, où est-ce que tu vas te cacher? Mec, j'ai une petite idée, mais je vais pas te le dire parce que imagine que Huggy Wuggy nous écoute. J'ai essayé effectivement de te piéger, mais du coup tu n'as pas voulu me dire. Non, je veux pas. Et toi, est-ce que tu sais à peu près où est-ce que tu vas te cacher? Mec, mais moi je sais exactement où est-ce que je vais me cacher et je peux te dire que je vais me cacher à un endroit où il fait un peu froid. Donc c'est un petit indice, mais c'est à toi de me chercher maintenant. Ok, du coup c'est parti, je vais aller compter juste devant la porte d'entrée. Allez hop, on sort, voilà. C'est bon, je suis devant la porte d'entrée, regardez cette magnifique villa. Voilà, la villa, ils sont tous ici. Donc let's go, on va commencer, je vais compter devant la villa. Ok, c'est parti, je suis contre la porte, donc je vais commencer à compter. 1, 2, 3. Mais mec, c'est trop chaud de mettre là-haut là. Wow, t'es un ouf. Les amis, Awariz ne sait pas où se cacher. Il veut se cacher là-haut. Mais ce qu'il sait pas, c'est que ça peut tomber. Bon, moi j'ai ma petite idée, je vais me cacher dans là-bas. Ah les gars, ce que vous savez pas, c'est que moi j'ai une idée de cachette. Elle va être incroyable, ça va être une dinguerie. Alors pour ça, il faut que je m'aventure un peu en forêt. Oh là là les mecs, ça va être une dinguerie. Je me cache là. Mais le truc c'est que j'ai la lettre, donc il verra. Ou alors je me cache là. 39 40, 41, 42. J'ai posé le meuble juste ici. Je vais mettre des coussins ici, regardez. Comme ça, il ne me verra pas. Et regardez un petit peu comment je suis. Il faut que je fasse vite avant que Diabolo me voie. 64, 65, 66, 67. À tout moment, Huggy Wuggy débarque de nulle part. Ok. Oh, Seigneur, regardez, je vois qui. Coucou Souka. Awariz. Coucou. Viens. Viens, on fait une cachette commune. Je vais me cacher sous la chaise et je vais mettre des oreillers sur moi-même. Les potes, dites dans les commentaires à votre avis qui va gagner ce cache-cache. 98, 99, 100. Les amis, là je suis bien là. Là je suis super bien. Impossible qu'il me trouve. Moi j'ai une belle paire de chaussures, j'ai pas envie de l'abîmer. Mec. Oh punaise. Bon, on va pas aller trop loin alors. 116, 117, 118, 119, 120. C'est parti. Oh mince, c'est fermé. Ils m'ont fermé la porte. Et faut faire attention parce qu'il part no fake hein. Il peut vraiment y avoir des bestioles. Il peut y avoir des bestioles mais aussi du Wookie gros. Ouais ouais. Mais vas-y, moi j'ai plus besoin des bestioles. Peut-être. Quoi mais mec? T'es caché? Je suis bientôt camouflé. Les amis, Awariz il a du mal à trouver sa cachette. Ok c'est bon, c'est parti, let's go. Voilà, je m'aventure un petit peu. Vas-y, et je sais pas ce que c'est gros là-bas, il y a des trucs louches là. Il est là, il y a Diabolo les gars. Mec, par contre, s'il vient, faut qu'on éteigne les LED. Donc là, on va aller voir juste là, regardez, dans le salon, il y a une entrée, let's go. Je peux pas poser la caméra, il risque de la voir les potes. Ok, regardez, juste là, hop, je vais ouvrir. Évidemment, on va refermer la moustiquaire, parce que sinon, attention. Il y a plein de moustiques qui pourraient rentrer et on est dans la cuisine, dans le salon. Pour l'instant, je vois personne. Si jamais vous voyez quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toutes les personnes qui ont trouvé quelqu'un avant moi, je mettrai un gros cœur sur votre commentaire. Ok, est-ce que derrière le buffet, il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Non, le buffet, c'est plutôt un grand travail. Ensuite, on a la table à manger.
Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un. 2h du matin, on est en train de tourner une vidéo. Je suis fatigué, moi. Mec, ton cadeau, il est caché, moi je suis mort. Il est trop mort. Mec, moi ça va, moi ça va, moi ça va. Mais attends, reste ici, ok. Moi je vais voir qu'est-ce que c'est là-bas. Mec, moi je pars en mission infiltration. Sous ce canapé-là, non, en même temps, je crois que c'est compliqué, hein. Ici, en dessous, non, y'a personne. Et là. Oh! Mais non, mais sous le cas. Mec, je suis dégoûté. Mec, je t'ai déjà trouvé. Mec, je suis le premier. Bah ouais, mec, t'es clairement le premier, hein. On dirait, on entend un, mec qui pisse. Oh, c'est trop cringe, hein. Tu vas m'aider à chercher à partir de maintenant. Est-ce que tu as une idée de où est-ce qu'il se trouve? Bah mec, tout à l'heure, Tuner nous a donné un indice. Il a dit qu'il se trouvait dans un endroit froid. Ok, mais tu penses que ce serait pas mieux de visiter toute la villa? Déjà de chercher toutes les caches dans la villa et ensuite on va dehors. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est mieux. Ok, c'est parti, ok, on va observer. Ok, alors là-bas, du coup, on a le couloir. Ouais. Vas-y, go. C'est parti. Ok. Là, y'a une chambre. Attends, mais on a quoi à gagner même? 1000 euros, moi, j'espère. Hein. Diabolo. Hein. Sors la cagnotte, gros. Je veux de l'argent. Gros, nous, on veut de la maille, là. Mais oui, mec, je veux de l'argent, là. Ils sont en train de s'éloigner. Ça serait trop compliqué. Non, en vrai, c'est impossible sous un lit. Ouais. Vas-y, on continue, prochaine chambre. Ah, attends, y'a des placards. Personne dans les placards. Ok, bon. Ouais, y'a personne. Mais mec, à ton avis, où ils sont, mec? Je les trouve pas, ni dans la chambre, ni dans le salon. Bah en vrai, peut-être dans la prochaine chambre. Let's go. On va dans cette chambre-là. Et dans les commentaires, d'ailleurs, dites-nous qui a eu la meilleure cachette depuis le début de cette vidéo. Mais je pense que, t'as le cadeau, en vrai, on a la meilleure cachette ou pas? Ouais, très clairement. Oh, il y a l'air d'avoir personne. Mais non. Y'a... Bon. C'est dégueulasse. Mec. Salut. Peut-être là-haut, en vrai, là-haut. Tu sais, là-haut, il y a ma chambre. Oh, en haut, t'es en train de dire? Ouais, là-haut, dans ma chambre. Let's go, on va checker. Oh non, je crois qu'ils arrivent. Allez, la salle de bain. Oui, ok. Oh non, c'est bon. Ok, on va dans la salle de bain. Et y'a absolument personne dans la salle de bain. Ok, go. Du coup, on monte là-haut. C'est parti. Oh non, ils arrivent. Vas-y, viens, suis-moi. Tu penses qu'il y a des singes dans cette forêt? Des singes? Ouais. Ah, je sais pas. Mais mec. Mais moi. Attends. What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mec, c'est quoi ça? Mec, c'est quoi ce délire? Attends, mais non, mais tu te fous de moi. Mais what, mec, c'est quoi ce délire? Attends, mais mec, tu te moques de moi? Attends. Je suis une chaise. Oh, t'as l'air d'avoir très très chaud, hein. Hey, je transpire de ouf. Oh, mais mec. Qu'est-ce que t'as pris de te cacher là? Mais regarde, tu vois une cachette ici? Mais j'étais en voyage là, j'étais en forêt, tu vois, à Fontainebleau. Et là, mec, j'ai vu un serpent à sonnette qui est passé gros, il a fait cling. Du coup, nous, on a fait toute la maison, donc ça veut dire que maintenant, il reste uniquement le jardin. Avec évidemment la piscine, mais aussi toute une partie dans la forêt un petit peu. Hein. Ouais. Il y a pas mal d'arbres fruitiers qui sont complètement dans le noir. À mon avis, il y en a un, deux qui a dû se cacher là-bas. Mais il y a beaucoup de choses à fouiller à l'extérieur. C'est vrai. Donc, c'est parti. Mec, on dirait Far Cry, gros. Ouais, mec, on dirait, Non, mec, c'est un jeu vidéo, gros. Oh, mec, regarde. Oh putain, ouais, regarde, gros. Oh putain, mec, ça fait trop flipper, gros. C'est quoi le chien qui est là-bas aussi? Oh, il est là. Vide. Oh, mais il vient d'allumer la lumière. Vide, ma mère, il vient d'allumer. T'as pas ça? Oh putain, les gars, non mais. Il allume la lumière là-bas. Il vient. Oh, mec, il vient, la lumière elle s'approche. Il vient, gros. Oh. Mais qu'on se casse. On va peut-être baisser la tête quand même parce qu'il se trouve il est à ton grillage. Ouais. Et j'ai pas envie de parler parce que le mec il se trouve il va faire ouais vous avez filmé des trucs que vous avez pas l'air de filmer et tout. Okay. Bon en vrai y'a rien du tout derrière l'église. Donc on va faire le tour hein. Ouais on fait le tour, c'est ouais, mieux je pense hein. Ouais, on fait le tour par là-bas. Let's go. C'est parti. Hop. Mec faut vraiment les trouver hein. Je sais pas où ils sont mais faut les trouver au plus vite gros. Let's go, c'est parti. T'imagines que Huggy Wuggy arrive mec. Faut vite qu'on les retrouve avant qu'il se passe le drame. Regardez, voilà, ici regardez, il y a un petit accès. Voilà juste ici. Oh, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est caché là en vrai de vrai. What? Mais non. Mais mec ils sont pas là, ils sont où? Je sais pas où ils peuvent être cachés. A mon avis, ils sont dans la forêt juste derrière là-bas. Voilà, quoi? On va devoir y aller. Quoi, on va devoir tu parles de la forêt interdite? Ouais. Oh, clairement. Let's go. Ok. Y'a un mec. Bon, j'entends. Écoute, ça marche. Je pense que Kiwoki, il est sorti de la piscine. Non. Tu penses, Suka? Mec, je pense clairement qu'il a fait un gros pipi dans l'eau. Parce qu'il doit avoir chaud. Il y a des boules qui arrivent.
Pourquoi tu la fermes? Parce que c'est trop dangereux, wesh. Non mec, il faut absolument qu'on y aille. Mais non, let's go. Je veux vraiment aller là-bas. C'est mec, que c'est je veux vraiment y aller. Moi je suis sûr et certain qu'il faut qu'on aille à l'intérieur. Allez, let's go. C'est parti, ouvre-moi ça. Je l'avais mal ouvert. Let's go, ok. Ok, là on est dans la forêt interdite. C'est bon. Ok. Vous venez pas? Non. Non. Mais mec, vous êtes sérieux? Mais non, venez. Aidez-moi. Mais venez. Non. Allez. C'est trop dangereux. Me laissez pas tout seul. Allez, venez. Oh, ok. Oh là là, let's go. Ok. C'est nul alors. Ok, il suffit de les trouver maintenant. Choisissez pas le mauvais arbre. Tu penses qu'il faut pas choisir le mauvais arbre? Il a pas l'air d'être à l'intérieur. Ok. Il a pas l'air passé non plus. Ok, ok. En plus, on entend des chiens. C'est assez flippant quand même. C'est peut-être Alcado qui nous appelle. Mais what? Regardez. Attends. Diabolo, il a l'air d'avoir une tombe là-bas. Mais what? Il y a un cactus géant. Non. Mais mec, what? C'est un cactus géant. Mais depuis quand? Mais what? Je suis à côté d'un cactus géant. Regardez-le. Ouais, regarde, voilà. Regarde, regarde. Il y a une bande de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident il y a pas longtemps. Ah ouais, clairement, c'est quoi ces trucs de la police ça? En plus, je suis en claquette ici. Est-ce que tu veux toucher pour pas faire mal? Bon, s'il y a 20 000 likes sur cette vidéo, je toucherai. Il y a 30 000 likes, je pousse Souka dedans. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour plus de vidéos avec Souka, Twinner, Talcado et Awariz. Yes. On s'enfonce vraiment loin, regardez. La villa, elle est tout là-bas. Ok. Je vois des lampes torches. Ok. Regardez, il y a des panneaux LED là-bas. Tu penses que c'est eux? Mec, je suis sûr que c'est eux, gros. Ok, let's go. Regardez. Regardez, mais c'est eux. Je crois bien que c'est eux. On vous a trouvé. Let's go. Je crois que je vous ai trouvé. Attends. Tu nous as trouvé, gros. On vous a trouvé. Non. Mais let's go. Mais t'as le cadeau en plus, t'es avec Twinner. Ouais, je suis avec Twinner, on s'est caché. Mais je veux pas vous cacher, on n'est pas très rassurés parce que... J'ai une information capitale pour vous. Ce n'est plus moi qui vous cherche, mais Uki-Maki. Let's go, il faut se dépêcher d'aller à la villa. Let's go, let's go, let's go. On va à la villa. On se dépêche, on se dépêche. Alors je vois rien comme ça, ok c'est bon. On se dépêche, tout le monde est derrière moi. Oh, ok, c'est bon, tout le monde arrive. Ok, go, go, go. Maintenant c'est Uki-Maki qui a notre poursuite. Ok, faut vraiment pas voir Uki-Maki. J'espère pas qu'il va être là. Les abonnés, regardez, juste là. Il est là, il y a Uki-Maki. Gaz, let's go. Tout le monde se barre. On quitte la villa. On quitte la villa, on quitte la villa. On quitte la villa. Go, 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 go. Ok, on se barre. Let's go. Abonnez-vous pour plus de vidéos à la villa. Nous, on se casse d'ici. Abonnez-vous, s'il vous plaît.